Bonsoir à tous et bienvenue, on est là pour le 20e live sur la chaîne 4. On est sur un événement, on a besoin de faire mal. Il se déroule dans les steppes arides. Plus beaucoup d'essence. Plus beaucoup d'essence. Je suis à court d'essence. Là, il y a des effigies à détruire pour faire apparaître le boss. Une énergie. Ça sera mieux. Il me faut plus de temps. Il me faut davantage d'essence.
Zéro légendaire, je super. L'arnaque. L'event il est réapparu. Bon bah on va le refaire. On a de la... Oui oui on va le refaire. Je n'ai pas l'essence requise. Pas sûr qu'il y ait les... Pas sûr que ça soit vraiment initialisé. J'ai l'impression que ça s'est pas initialisé, que je vois pas les totems à l'intérieur. Les bijoux, j'ai juste un anneau sacré. Juste un. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Deuxième fois qu'il y a consécutif qu'un corps qui donne aucun légendaire. Magnifique. En train de s'échapper, c'est pas bon. J'ai besoin de temps pour faire ça. Il s'est vraiment échappé. Je suis à court d'essence. Il y a un gobelin, mais il est parti trop tôt. Il n'était pas assez proche de lui pour le poursuivre. C'est un personnage qui est très peu mobile, le Nef. Davantage d'essence.
Je ne suis pas encore prêt. Allez, hop. Arme légère, je ne veux pas. On a fait tous les coffres. Coffre aux bijoux là. C'est quoi? Coffre de protection. Je n'ai pas l'essence acquise. Sanctuaire.
25, j'ai pas assez. Il en manque encore deux. Et bah c'est ok. Bah, si on n'a rien de bien, on va peut-être aller ailleurs. Six minutes, 25, il nous en manque 50. Ça va être faisable. Beaucoup plus de temps. L'essence requise. Il me faut plus de temps. Qu'est-ce que c'est ça?
jusqu'à présent, les coffres bijoux, ça n'a pas été une franche réussite. Enfin, regardez le. Les items pour le bonus de protection. Donc, un item de protection, notamment c'est un item d'armure. Allez, les deux derniers. Mon fardeau est trop grand. Il me faut davantage d'essence. Allez, 2 minutes, on a largement le temps d'aller jusqu'au coffre. En espérant que cette fois-ci il y ait bien un légendaire en récompense. Ah, ok. Je ne peux rien faire de plus. Alors, j'ai le poids de paragon. Plus 2,5% à la vitesse d'attaque des serviteurs, mais c'est super ça. Allez. Ah, j'en ai récupéré la plupart. Ok. 64. Ouais. Ah, ça c'est mieux déjà. C'est déjà mieux. Ok. Le joaillier on en a besoin. Oui. Vous achetez ou vous vendez? Au revoir alors. Je
Alors, est-ce qu'on peut améliorer notre personnage? Parce que l'équipement là, il est complètement dépassé. Déjà le casque, le torse. Ce sera entre l'un et l'autre. Ah, ok. Ces gants, qu'est-ce qu'ils valent? On a des bottes là. L'esquive confère 50% de vitesse de déplacement pendant une seconde. J'en rêvais. Non, les bottes sont pas terribles. You serious? Des bottes qui sont mieux que ça. Il y a tout ce qui est pas sacré, ouais. 59. Ok, bon bah les bottes c'est fait. Bon, faudra déjà que je change le casque et le torse.
Ça, ça a l'air d'être mieux quand même. Parce que je fais essentiellement des dégâts de sang. Donc ouais, on va prendre ça, on va prendre ces deux parties là. Donc là, on va voir si je peux récupérer ça. Il me semble que j'en ai un qui est mieux. Et sur le torse, qu'est-ce qu'on a? Nombre de mages de squelette, il me semble que j'ai ça aussi en réserve. Alors, toutes les 10 secondes, vos mages squelettes, ça me dit quelque chose. Il me semble que j'en ai un. Ce sont les mages, hein, c'est bien ça. Mage squelette. Mage squelette, ok. Donc ça, ça irait avec l'armure. Et donc là, faut que je trouve le bonus pour les mages squelettes qui gèlent. C'est dommage que ce soit que ça. Ouais, c'est vraiment dommage. Enfin bref. Bonus. Je suis sûr de l'avoir. Je commence à douter là. Ici, je suis persuadé qu'on l'avait. Dans les aspects, on l'aura extrait. Ah oui, il a été extrait. Il a été extrait. Ok. Donc... ça, faut l'extraire pour le mettre sur le torse. Il est où notre personnage? L'occultiste. Voilà. Alors. Sur le casque. Thank you.
Rick. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que je m'étais trompé de casque. J'ai eu peur là, d'un seul coup. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Pour moi, c'est exactement la même chose. Ça va me coûter de plus en plus cher. Ah, un bonus d'armure, ça sera mieux. Ça sera mieux. Qu'est-ce qu'on peut modifier sur le casque? Non, on va garder ça. Le joaillier. Est-ce qu'on peut mettre... Je pense pas qu'on puisse mettre un autre bonus sur... On peut mettre une nouvelle chasse. Ah oui. Tant qu'à faire. Hein. 100 000. Attendez. Celle-là. Vérifie quelque chose, excusez-moi. Alors, 3154, 3893. Ah, on perd en DPS. Eh ouais. Ok. Et là, on rééquilibre. Ok. Qu'est-ce qui est pas sacré encore sur mon personnage ? Les gants, les bottes, il y a un anneau aussi. Il y a quelle tête notre... Ouais, on verra. On verra pour le... Vous souhaitez faire évaluer quelque chose ? Ouais, tu vas extraire... Ok.
Ça c'est fait. Ça on peut l'améliorer auprès du forgeron. On y va. Juste, je voudrais juste regarder. Non. Ah, plus tard. Meilleure des qualités. Elle est vraiment cool cette bague, mais j'ai pas mieux dans tout ce que j'ai looté. J'ai pas de meilleure bague que ça. Ça me surprend. Alors, les bagues sacrées. Ça, c'est sacré. 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 Non. 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 Rien que les stats déjà ça donne pas envie. Il y a les bottes aussi. Les bottes. Et on peut pas mettre des gemmes là-dessus. Il me semble pas. Il faudrait que je regarde. Je trouve mieux que ça en bottes quand même. On va déjà juste vérifier les anneaux. Ok. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Déjà bien. Le premier, ça me plaît pas. Ah, il faudrait changer de stade, donc non. Donc ouais, les anneaux, pas terrible. Je pense qu'il va falloir détruire tout ça. L'épée là, si on compare. 25% de dégâts critiques. Elle est pas enchantée, hein. Donc déjà juste si on la met là sur. Notre perso, ça fait quoi? Ouais, il n'y a pas les gemmes. 3160. Ouais, donc non. Non, non, c'est... Ouais. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est pas la peine. Ça, c'est à vendre. Et en gantelet, j'ai rien de mieux. C'est pas possible. C'est vraiment bien, ça, comme gantelet. Là. Ouais, mais j'ai un gantelet qui est vraiment, vraiment bien. Quoi. Mais qui est pas légendaire.
stats sont pas terribles. Ouais, non. Bon. Bon, du coup, là, ce qu'il faut, échanger ça, ça va être compliqué. Échanger ça, ça, ça peut être beaucoup plus facile. Et cet anneau. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a quelques cochonneries à vendre. Joli ton épée, toi. Alors. Ça, on l'a pas fait. Ça pourrait être intéressant. Ici, on a le trépas du champion qu'on a à faire. Là, on a deux quêtes à rendre. On va les rendre tout de suite. Mon Dieu, non, non, il ne voulait pas venir ici, vous savez, il voulait rester avec père à Cape Bardou, mais je l'ai convaincu, je lui ai dit que je le protégerais. Je suis vraiment désolé. Je dois prévenir père. Je vais lui briser le cœur une seconde fois. Il y a tant de pièces différentes ici. Elles appartenaient sans doute à un marchand de Cape Bardou. Elles méritent une place d'honneur en souvenir de ce voyageur disparu. Bon, ça fait toujours un peu d'XP de prix. Les oboles, on en est où ? Passé. On a passé. Ce qu'on va faire, c'est cette quête-là. Ensuite. C'est en JCJ, ça. Non, j'y vais pas. On va finir ça, les faveurs sinistres. Ça nous fera un peu d'XP. C'est du JCJ. On va aller là. Est-ce qu'il y a un alchimiste ? On va refaire un stock de potions aussi. Peut-être changer l'apparence aussi de notre micro. Potion, élixir, décoction. Jetez-y un coup d'œil. Thank you.
Allez, on reprend. Eh bien, ne gâchez, on se revoit très bientôt, hein. Si je veux changer l'apparence, c'est ici. Ouais. Un petit côté pharaon là. Ah, ça, ça fait vraiment des gros. Par contre, j'aime pas. J'aime pas. Ça, c'est moche. Ça, c'est ridicule. Ouais. Ah non. Il y a que ça. Ça change. On va prendre ça, ça change. Donc là, ce qu'il va falloir changer, ce sont les bottes, les gantelets, mais ça va être compliqué les gantelets et l'anneau. Et l'arme aussi, ça va être compliqué de trouver mieux. J'ai le nez qui coule, ça. Je ne suis pas encore prêt. Je comprends pas très bien en jeu, c'est que je vois pas l'influence du niveau sur la puissance du score. Entre une arme de niveau 57 et une arme de niveau 63, en fait l'arme de niveau 57 est largement plus efficace. Parce que le leveling coule un petit peu des stats qui sont en bas.
trépas du champion. J'ai un truc pour le trépas du champion. Pas d'emblème pour le trépas du champion. Cairns de nos ancêtres. On l'a déjà fait ça. Profanés par des bêtes. Leur sang fait taire la gloire qui résonne dans ces terres. Nos ancêtres ont recouvert ces terres de sang de lumière. Ces monstres sont indignes de tous les territoires. Faire du monde curseur. Ces terres appartenaient à la tribu de la Lune, bien avant l'arrivée des Lunaires. Le sang sur ses lances, nous nous sommes bien défendus. Yeah.
t'en prie. Ah zut. Attention, ça a explosé. Il était déjà mort. On va le mettre de côté. Je ne peux rien. Les inventaires aussi sont vraiment trop justes, faudrait qu'ils les agrandissent. Passe notre temps à aller voir le forgeron. Besoin de ferronnerie, de réparation. Ah, j'en ai récupéré la plupart. Ah, ça lag un petit peu moins en ville par rapport à la semaine dernière. Un peu moins. Pas non plus ordinaire. Ok. Bonsoir Franck. Comment vas-tu? Mes ancêtres ont recouvert ces terres de sang démoniaque. Ces monstres sont tranquille, tranquille. Voulaient ce territoire. Là, on fait une quête dans un donjon. Et après, on va faire un bastion. Ça fait combien par chez toi aujourd'hui? Ah,
encore prêt. Ah, je m'attendais à beaucoup plus chaud. Donc en gros ici il fait plus chaud que par chez toi, ou aussi chaud. Il me faut plus de temps. Ils sont pas assez résistants, ils font pas assez de dégâts. Il me faut plus de temps. Sanctuaire. J'ai oublié les deux, ça serait génial. La force des ancêtres est de retour. Je vais ramener ces lances aux baraques. Ok, bon, on va quand même finir le donjon. Hein. Thank you.
juste du décor. On a l'impression que c'est un mécanisme à déclencher. Pas du tout. Je ne suis pas encore prêt. Kalib a emmené nos derniers guerriers pour affronter les cannibales. Le reste d'entre nous va essayer de renforcer nos défenses. Je refuse de devoir verser du sang. Allez, combat de boss. Sur les os de nos ancêtres. Mais je vais. Non, pas nouveau. On l'a déjà affronté. Génial, une baguette. On va certainement détruire. Alors, inventaire, c'est quoi cette baguette ? Baron de la quête. Ensuite, on va s'attaquer au bastion. La guérison est en bonne voie, grâce aux herbes que Tala gardait sur elle. Elle avait autant de talent pour le soin que pour le combat. Nous vous offrons la dague de Tala, en gage de reconnaissance. Souvenez-vous de son nom et faites-en bon usage. À mon avis, la dague de Tala va finir en recyclage. Hein. Mon fardeau est trop grand. Oh, on n'en veut même pas, tu vois. Vous avez l'œil. Correctement travaillé, je pourrais utiliser ce minerai pour remettre en état les armures malmenées des loups. Laissez-moi vous donner quelque chose en échange. Okay. Ça dégage. Deux quêtes ici à faire, on les fera plus tard. L'inventaire, il est vraiment trop juste. On est constamment en train de faire des allers-retours avec les coups. Déjà ça. Et surtout ça, ce qui prend de l'espace sont les gemmes. Il y a Blizzard qui a communiqué qu'ils allaient mettre les gemmes ailleurs, mais plus tard. Je comprends pas qu'ils s'en soient pas aperçus dès la conception du jeu. Kakarat lui offre sa bénédiction. Ok. Il est où le bastion?
C'est dans les steppes ardentes. Hein, ça... Je l'ai perdu de vue, le bastion. Ah, il est là. Ouais, il est sorti. Mais on peut pas faire les deux jeux à la fois. Et puis Diablo, on en a pour un bon moment. Il faut plus de temps. Mais si le jeu est vraiment bon, on fera un jour. Il y a un event. On va le faire, on a besoin de bol. Et un point de paragon qui est vraiment le bienvenu. On va débloquer ça. 10% de dégâts des serviteurs, 5% de vitesse d'attaque des serviteurs, ça va être pas mal. Et il va me manquer 35 en intelligence pour avoir le bonus de 10% de dégâts supplémentaires. De cet endroit son repère. Au secours, je vous en prie. Je ne suis pas encore prêt. Boss ici. Un boss, un élite.
garde-t-il ce cadavre ? Le jeu t'intéressait, Alien Dark Descent ? Comment vas-tu, ami voleur? La machine, elle est grippée là. Galère lui. L'odeur persiste depuis des jours. Cela me dérangeait au début. Sans votre aide, je n'y serais pas arrivé. L'odeur et les mouches n'écoutent. À l'aide ! Je vous en prie ! Mais j'y trouve une certaine douceur et à travers le bourdonnement. Ce plus ancien. Un dieu qui demande de la chair, qui récompense sa consommation. Oh, je l'ai pas vu venir celui-là. Oh, je l'ai pas du tout vu venir. Ah.
tête de Lilith. Un point de paragon déverrouillé pour tous les persos, mais c'est bien ça. Bravo GG. Temps pour faire ça. Je vous en prie. Ils sont pas assez résistants. Clairement pas assez résistants. Et du coup, ton perso, il est niveau combien maintenant? Soyez bénis. Introduise dans le temple de notre dieu. Il hurle, Régis. Mon sauveur. Mais notre dieu habitait ce temple bien avant que leur famille ait un nom. Et celles et ceux qui viendront... Par ici, à l'aide ! Telle est notre mission. C'est boss. Bien là. Il me faut plus de temps. Ah, pas mal. Tes méfaits sont terminés. Donc ton collègue, il a peut-être fini l'histoire principale. On est où au niveau de la faction là? Hein, y a un coffre que j'ai pas ouvert. Les gens du coin s'introduisent dans le temple de notre dieu. Ils hurlent, résistent et nous attaquent. Mais notre dieu habitait ce temple bien avant que leur famille ait un nom. Et celles et ceux qui viendront seront sacrifiés. Telle est notre mission. Ah, j'ai plus l'effet de potion.
J'utilise bien les potions pour avoir le bonus de 5% de gain d'XP. S'il te manque des ingrédients, tu peux en produire hein, auprès d'alchimiste. Regarde bien. T'as un onglet pour produire des ingrédients. Et fais pas forcément les potions de plus haut niveau. Quel que soit le niveau de la potion, tu as un bonus de 5% d'XP. Blizzard a communiqué à propos des saisons et si on veut profiter des bonus de saison, là, le fameux season pass là qui est dans les missions que tu as, et bien faudra faire un perso pour la saison, pour refaire un nouveau perso. Les cinématiques généralement ils les réussissent bien chez Blizzard. Ouais, les cinématiques elles sont vraiment réussies. Ouais, c'est... À rendre, ouais, ça a l'air d'être ça. Nos morts rejoignent la tribu, l'esprit et la lance fière. Leur sang nous rappelle notre valeur et nous n'entacherons pas leur sacrifice. Les cannibales pensent trouver leur force en consumant les faibles, mais un simple guerrier n'égalera jamais la volonté d'une tribu. La tribu de la grue les affrontera sur leur territoire. Maintenant que j'ai fait les, j'ai fini la quête principale, oui. Oui, exactement. Se gaver de nos lances. Après c'est du farming et t'as les donjons de cauchemar aussi. Donc ça c'est fait. Ah tiens. Je sais pas si on l'a fait celui-là. J'aimerais pas aller trop loin. Invoquer les rituels, c'est long. Ça,
pas trop le choix non plus. On va faire ça. Voilà, l'arbre des murmures aussi à faire. Mais c'est surtout du farming hein, après le, bah, pour atteindre le niveau 100. Une fois que tu as fini le niveau 100, bah, tu optimises ton perso. Ou tu refais un nouveau perso. Je ne ferai pas ça en ville. Tiens d'ailleurs. Voyez, comme ma bougie rouge. Oui. Je. Oh. Je. Pardonnez-moi. Notre puits a été envahi par ces démons ailés. J'ai essayé de les repousser, mais je ne suis pas faite pour ce genre de choses. Pourriez-vous débarrasser notre puits de ces créatures? Rejoignez-moi ensuite à la chapelle. Akarat saura vous récompenser. La quête et on va faire ça. L'arbre. Voleur, tu vas le monter jusqu'au niveau 100 ou une fois que tu auras fini tu vas tester un peu l'endgame et puis tu vas changer de classe après. Créatures volantes sont des mouches. Je m'attendais à des démons, enfin quelque chose d'assez imposant quoi. Des mouches. Bon. Bon, les nids ils sont pas petits non plus. C'est des bonnes grosses mouches ça. Je sais pas.
Il y a Franck qui me parlait de Alien Dark Descent, mais on n'aura pas le temps de le faire. C'est un jeu un peu à la XCOM, je sais pas si tu connais. Un jeu de stratégie. Un RPG de stratégie au tour par tour. La quête, même si on la fait pas tout de suite. On ne peut rien porter de plus. Tu ne trouves-tu pas que les inventaires sont trop petits? J'ai l'impression de constamment aller voir le un vendeur ou le forgeron pour vider ses inventaires. Ça peut toujours servir. Ouais, c'est dommage parce que on va le garder pour l'aspect, mais c'est pas orienté DPS quoi. Ah oui, on est constamment en train de faire des allers-retours, c'est un peu pénible. Ça casse le rythme du jeu, c'est vraiment dommage. Kakarat lui offre sa bénédiction. Je serais pas surpris que dans les saisons, on va avoir un bonus pour avoir nouveaux onglets dans le coffre et pour élargir le contenu de nos inventaires, vous allez voir. Histoire d'inciter les joueurs à faire les saisons. Pour avoir ces bonus de confort. Par chez toi, est-ce qu'il a fait chaud aujourd'hui? C'est dingue. En fait, il fait aussi chaud en Belgique que du côté de chez Franck.
encore prêt. Ok, bonne nuit à toi, bonne nuit, bon courage. Et merci d'être passé, Keftes. À demain. Ciao, ciao. Il y a une statue de Lilith. Elles sont pas faciles à discerner. Cinq obols en plus pour tous les persos. Pourquoi pas? Je reviens, je vais aérer.
suis pas sûr que ça soit là qu'il faille aller, mais vu qu'on est dans le donjon, on va le faire. Un peu plus de temps. Un maximum du buff du produit sur avec le sanctuaire. Voilà. Les gants. Généralement, il y a deux mécanismes qui sont chacun dans deux ailes différentes du donjon. Ça fait un peu bizarre de voir des scorpions géants dans un donjon. Surtout avec des passages aussi étroits. Un petit bug là avec le PNJ dans la roche. Nous n'y arriverons pas sans aide. Ils sont là. Tenez-vous prêts. On va devoir se battre. Thank you.
apporter ceci, mon ami. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ça aidera. Vous le méritez. Je n'avais jamais vu quelqu'un se battre comme vous. Je ne peux rien porter plus. Et on retourne voir le forgeron. On fait que ça. Peut-être le mettre de côté parce qu'on aura peut-être besoin plus tard. Parce que ce build est, c'est juste un build intermédiaire. À un moment donné, on changera. Il y a des petits lags. Ça sent pas bon là. J'ai besoin de temps pour faire ça.
Dès que j'ai plus les serviteurs, ça devient très compliqué. Il faut plus de temps. Comme les serviteurs sont pas résistants, voilà ce que ça donne. Ouh là là, je fais n'importe quoi. Ils sont en train de me booter hors du donjon là. L'horreur. L'horreur. On va essayer de refaire des serviteurs. De temps pour faire ça. Je n'ai pas de potion. C'était compliqué. Là, j'ai privilégié le DPS, mais ensuite j'ai essayé de prendre le glyphe d'armure pour les serviteurs, parce qu'ils sont vraiment trop fragiles.
Et donc après, ce qu'il faudrait prendre, ça sera ça. L'armure. Donc peut-être ça pour les guerriers squelettes. Il y a quoi d'autre? Et ça aussi. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Du coup. Allez, 5% de dégâts en plus pour les serviteurs. Pas vraiment me servir ce bonus le temps qu'on arrive au portail, enfin, au passage. Bon là on a droit à un combat de boss. Mais j'ai l'impression que c'était pas ça ce qu'il fallait faire pour valider la quête. Il doit y avoir un autre passage. Ouais, il y a certainement un autre passage. Et on retourne dès notre inventaire. Toutes les choses ont un prix. Revenez s'il vous faut quoi que ce soit. Hmm? Je t'en prie, Nagla, tu dois te reposer. Loué soit Akarat. Il vous a envoyé à notre aide. Prenez ceci, avec nos remerciements. Nagla, nous ne pouvons pas. Puisse cela vous aider dans votre périple. Ah, eh bien, oui. Dans nos tombes, repose une relique sacrée du Saccharum. J'ai entendu parler de quelqu'un qui cherchait à la dérober. Vous voyez, la relique est un symbole aidant nos morts à reposer en paix. Elle représente
la lumière qui brille éternellement en chacun de nous. C'est une lueur d'espoir pour tous. Elle, pardonnez-moi, elle est très importante. Si vous pouviez ramener le symbole sacré, nous vous serions redevables. Pour l'avoir tiré des griffes d'un voleur, mais aussi pour avoir apaisé nos malades. Que la lumière guide vos pas. Ah, des obols en récompense. Intéressant. Ah bah. Pour faire le tombeau. Ils n'ont nulle part où aller. Leurs familles ont fui Jirandai pour échapper aux horreurs du Nord. Mais les cannibales les ont quand même retrouvés. Les routes ne seront pas sûres tant que ces maudits mangeurs de chair seront là. Réduisez leur nombre. Je vous offrirai une partie de notre dîme. Je vois pas ce qu'il faut faire. Certainement une emote. Je sais pas. Alors l'arbre au murmure, il est où? Ici. Donc on a besoin de quoi? De bottes. Les gants, ça va être vraiment compliqué. Les affixes sont super. Enfin, les affixes. Les propriétés sont super. Et l'anneau, là, ça va être compliqué de le changer aussi. On va passer en priorité sur les bottes. Peut-être plus facile à changer. C'est fait. Bah c'est cool, il propose rien. Trouvé et perdu. Trouvé et perdu. Ah, je suis content, zéro légendaire. Oh, trop content. Vraiment pas l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Magnifique. Ça m'a l'air bien usé, mais je peux arranger. Je peux démanteler ça. Il y a une quête ici. On en est où des récompenses? Ah, pas mal. Ça, si on l'a pas avancé, on va trouver les hôtels de Lily. Là, on y est presque. C'est pas ride. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Là, faut avancer. Il y a un bastion qu'on n'a pas vu. Bon, bah, il y a ces quêtes-là à faire. Dans les steppes arides, non, c'est en Kyrgyzstan, ça. Ouais. Bon. Ben, ce que je propose, c'est qu'on arrête là. On peut bien avancer. On a un peu amélioré l'équipement du personnage. Quand on finit le jeu et qu'on débloque le niveau de difficulté monde 3, on accède à des objets dits sacrés. Donc là, en fait, dans le stuff, là, qu'est-ce qui me manque en sacré? Les gants. Mais on voit que les propriétés sur les gants sont très très bonnes. Plus 2 à lance d'os que j'utilise. Comme si j'avais 2 niveaux supplémentaires à lance d'os. Plus 2 à flux sanguin. À flux sanguin, c'est ce que j'utilise aussi. Donc c'est énorme.
Donc là, pour remplacer ça, ça va être très très compliqué. En plus, plus 7,3 vitesse d'attaque. Ça va être très très compliqué de les changer alors qu'ils sont que niveau 38. Et quand t'as un équipement de niveau sacré, t'as des stats en plus. Sauf que là, même avec de l'équipement niveau 60 plus, ça va être dur de trouver des propriétés aussi bonnes. La bague aussi, c'est à peu près la même chose. Ça fait beaucoup de dégâts d'accablement. Là, on a un bonus de plus, presque 17% de dégâts d'accablement. On a 15,6% de dégâts critiques. C'est vraiment une très bonne bague. Mais là encore, il faudrait trouver une bague sacrée. Et les bottes, ça va être plus facile à changer, à trouver quelque chose de mieux. Mais il faut avoir quelque chose de mieux en termes de stats. Allez, on arrête là.